Je décide de maintenir autant que possible le calme dans mon esprit et de tendre vers la sérénité et la paix intérieure. De toujours faire l'éloge de la bonne santé et du bien-être des personnes que je rencontre, sachant que cela rejaillit sur moi. De toujours chercher ce qu'il y a de mieux chez les gens que je côtoie, sachant que cela se répercute en moi. De me focaliser sur le succès de ma situation sociale, professionnelle, familiale et dans les affaires. D'œuvrer pour l'évolution, le progrès et la recherche, et apporter ma pierre à l'édifice. De participer au succès d'autrui comme de mon propre succès, sachant que les deux vont de pair. De tirer parti des erreurs que j'ai pu faire pour y puiser de l'expérience. De toujours afficher une attitude optimiste et de l'inspirer en permanence aux personnes de mon entourage. De toujours reconnaître et pointer les compétences des personnes que je fréquente, sachant que cela développe mes propres compétences. D'utiliser la confiance que j'ai en moi et l'utiliser dans des activités utiles et épanouissantes. De développer ma volonté fermement et ainsi éloigner les préoccupations inutiles et inadéquates. D'observer la vie avec joie et bonheur, sachant que cela se manifeste dans mes comportements, dans mes attitudes et sur mon bien-être. De maintenir une volonté inébranlable en ma capacité d'adaptation, d'évolution, et dans la destinée positive de l'humanité, j'ai décidé. Je décide de maintenir autant que possible le calme dans mon esprit, et d'étendre vers la sérénité et la sérénité et la paix intérieure et la paix intérieure vers l'éloge de la bonne santé et du bien-être sachant que cela rejaillit sur moi. De toujours chercher ce qu'il y a de mieux chez les gens que je côtoie, sachant que cela se répercute de me focaliser sur le succès social, professionnel, familial et dans les affaires. De vrai pour l'évolution, le progrès et la recherche, et apporter ma pierre à l'édifice. De participer au succès d'autrui comme de mon propre succès, sachant que les deux vont de pair. De tirer parti des erreurs que j'ai pu faire pour y puiser l'expérience. De toujours afficher une attitude optimiste et de l'inspirer en permanence aux personnes de mon entourage. De toujours reconnaître et pointer les compétences des personnes que je fréquente, sachant que cela développe mes propres succès. D'utiliser la confiance que j'ai en moi et de développer ma volonté fermement et ainsi éloigner les préoccupations.
perturbation inutile et inadéquate. D'observer la vie avec joie et bonheur, sachant que cela se manifeste dans mes comportements, dans mes attitudes et sur mon bien. Joie et bonheur, succès et bonheur, Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Afin d'encourager la création de vidéos, un petit doigt levé fait toujours plaisir, aussi bien à Marie-Ange qu'à moi-même. Et si vous pouvez laisser un tout petit commentaire, positif si possible, ben je vous en remercie d'avance.